ma réponse. Je suis le digne apprenti du professeur. Et voilà ma réponse. Bien, nous pouvons écarter cette théorie. Oui, je suis confiant. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Thank you.
Et voilà ma réponse. Toute énigme a une solution. Voyons si ma théorie est la bonne. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Et voilà ma réponse. Bien, nous pouvons écarter cette théorie. Et voilà ma réponse. Bien, nous pouvons écarter cette théorie. Voyons si ma théorie est la bonne. Tout est clair désormais. Thank you.
Je vais vous aider à fuir. Venez. Quel est votre rôle dans toute cette histoire? Est-ce que... Pas maintenant! Vous devez vous enfuir au plus vite! Allons donc. À quoi rime ce tapage nocturne? Vous ici? Impossible! Oh, si vous saviez combien de temps j'ai attendu! Professeur, vous savez de quoi il parle? Je n'en ai aucune idée. Venez à moi, ma douce Sophia. Vous m'avez tant manqué. Comment? Qu'il en soit ainsi. Vous me surprenez. Je ne m'y attendais pas, Letton. Pas du tout. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est de votre faute! Mais vous n'aurez pas ma Sophia! Vous allez regretter de vous être joué de moi! Il y a bien des épées ici. Allez-y, prenez-en une. Mais attention, une seule d'entre elles est réelle. Un guerrier ne se sépare jamais de sa lame. Hein? Voyons si ma théorie est la bonne. Ah ah, tout à fait remarquable. Je vous avais sous-estimé, mon cher Letton. Letton! Sophia est ma promise, mon seul amour. Pourquoi suis-je si essoufflé? Peu importe, je dois me battre. Non, arrêtez, je vous en prie. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que ça va? Grand-père, arrêtez. C'est plus de votre âge. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas, Sophia, ma chère. Alors vous n'avez pas compris? Après tout ce temps, vous avez mérité quelques explications. Vladimir, je suis votre petite fille. Ne soyez pas ridicule. Regardez comme je suis jeune. Je ne peux pas être grand-père. Grand-père, tout ce que vous voyez autour de vous n'est qu'une illusion créée par votre esprit. Vous avez l'air très jeune, mais en vérité... Permettez-moi de continuer. Grâce à la mine d'or bâtie par votre père, feu le duc Van Herzen, cette ville a connu la prospérité. Mais cette abondante mine d'or abritait un danger insoupçonné. En cherchant de l'or, les mineurs ont, sans le savoir, mis au jour une veine de gaz hallucinogène. Tous ceux qui respirent ce gaz deviennent très réceptifs à toutes les formes de suggestions. C'est pourquoi des rumeurs de créatures sinistres hantant Folsens se sont propagées. En réalité, le Folsens que nous voyons n'existe pas, pas plus que ses habitants. Ce ne sont que des créations de notre esprit. Mais comment avez-vous compris tout ça, professeur? Nous avons vu des photos de Folsens prises il y a 50 ans. Et la ville n'a pas changé du tout.
Aucune ville ne peut rester inchangée pendant 50 ans. Les photos que nous avons vues dans la gare ont conditionné notre perception de Folsens. Nous voyons la ville telle qu'elle était il y a 50 ans. Cessez cette folie. La ville est bien réelle. Tout comme moi. Folsens n'est plus qu'une ombre, grand-père. Une illusion née de votre frustration. Entre Sophia et vous, tout a changé il y a 50 ans. Mais nous sommes fiancés. Vous ne pouvez pas me laisser ici. Je ne l'accepterai pas. Cette ville est maudite. Si je reste ici, tous les gens qui me sont chers vont mourir. Et moi, je ne compte pas pour vous, Sophia. Restez avec moi, et nous rebâtirons Folsens. Pardonnez-moi, Vladimir. Je pense à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'aime encore plus que vous. Est-ce pour cela que vous me quittez? Parce que vous en aimez un autre? J'avais confiance en Sophia, et elle est partie. Vous n'avez rien compris, grand-père. Elle ne vous a jamais trahi. Comment? Cet autre dont elle parlait, c'était l'enfant qu'elle portait. L'enfant que vous aviez conçu tous les deux. Non, c'est impossible. Pardonnez-moi, Vladimir. Je pense à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'aime encore plus que vous. Sophia était... Je l'ignorais. Oui, elle était enceinte de ma mère lorsqu'elle est partie. Elle a fui pour mettre son enfant à l'abri. Elle vous a caché sa grossesse pour ne pas vous causer plus de chagrin. Comment ai-je pu être aussi bête? Grand-mère nous a quittés l'année dernière, mais elle parlait très souvent de vous, vous savez. Elle vous a aimé jusqu'à la fin. Sophia est morte. Non, c'est impossible. Ce ne sont que des mensonges. Grand-père, non, arrêtez. Allons-nous-en, vite! Professeur, tout va s'écrouler! Allez, suivez-moi! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Allons, grand-père! Il faut vite partir d'ici! Attention! Je crois que j'ai trouvé toutes les réponses que je cherchais. Je peux vous rendre ceci. Merci. Le coffret n'était pas maudit finalement. Et non, il n'y a aucune malédiction dans cette boîte. Cela dit, je pense que le minerai dont est composé le coffret contient des traces de ce gaz.
tous ceux qui ouvrent le coffret respirent les mêmes vapeurs que celles qui ont ruiné cette ville. Ils s'attendaient à mourir, ils se sont donc eux-mêmes condamnés. Alors, ce n'est rien de plus qu'un coffret ordinaire ? Ne va surtout pas croire cela. J'ai fait forger ce coffret pour qu'il accueille une part de mon cœur. Comment cela ? Il y a un message caché dans ce coffret. Un message destiné à Sophia. Il y a bien longtemps, j'ai demandé à un voyageur de passage d'apporter ce coffret à Sophia. Malheureusement, la valeur marchande du coffret représentait une trop grande tentation. Il a été volé bien des fois, acquérant dans le même temps sa funeste réputation. Mais nous avons ouvert le coffret, il était vide. Tu ne le sais sans doute pas, mais il y a deux manières d'ouvrir ce coffret. Sous le soleil brûlant sont réunis les deux amants. Lorsque le vent soufflera, leur amour triomphera. Ce vieux poème est la clé du mystère lié à ce coffret. Est-ce que tu comprends, mon garçon ? Oui, je crois comprendre. Vous permettez ? Sous le soleil brûlant sont réunis les deux amants. Lorsque le vent soufflera, leur amour triomphera. Voilà. Oh. Il y a un problème ? Ce n'est pas la lettre que j'ai écrite. C'est l'écriture de Sophia. Cela signifie qu'elle a possédé ce coffret à un moment donné. Mon cher Vladimir, j'espère que vous vous portez bien. J'ai reçu votre lettre. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous revoir. Malheureusement, je crains de ne plus en avoir la force. Vous n'imaginez pas à quel point vous m'avez manqué durant toutes ces années. Je me demande souvent si vous me détestez à cause de ce que j'ai fait. Est-ce le cas ? Lorsque j'ai décidé de vous quitter, je portais notre enfant. Je ne voulais pas exposer notre bébé à un tel danger. Eu égard au rang de votre père, je savais que vous ne pourriez pas partir avec moi. Je n'avais pas d'autre choix que de partir comme cela, même si je l'ai toujours regretté. Mais, malgré cette tristesse, il y a un rayon de soleil dans ma vie, notre adorable petite fille Katia. La décision que j'ai prise il y a des années vous aura au moins permis de vous rencontrer.
La mère de Katia nous a quittés peu après avoir accouché, mais elle a transmis ses qualités à sa fille. Chaque fois que je vois Katia sourire, je ne peux m'empêcher de penser à vous. Auprès d'elle, je n'aurais jamais pu vous oublier, même si je l'avais voulu. Depuis le jour où je suis partie, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Aujourd'hui, au crépuscule de ma vie, je veux croire que nous nous retrouverons là-haut. Penser que je reverrai un jour votre visage me réchauffe le cœur. Portez-vous bien et soyez heureux, mon très cher Vladimir. Et à bientôt, votre Sophia. Sophia, je comprends maintenant. Grand-père ? Grand-père, oui, c'est vrai. Cela sonne plutôt bien. Ma chère petite fille, je suis enchanté. Je tenais vraiment à vous rencontrer. Cela fait si longtemps. Tellement longtemps que j'avais oublié ce qu'aimer voulait dire. Mon amour pour Sophia s'est transformé en colère et cette colère m'a complètement aveuglé. Mais aujourd'hui, je vois clair à nouveau, grâce à toi, ma petite fille. M'entendez-vous, Sophia? Le moment de nos retrouvailles n'est pas encore venu. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de moi. J'espère que vous me pardonnerez de vous faire attendre, ma chère. Je suis vraiment certaine qu'elle approuve votre choix, grand-père. Telle était la légende du coffret céleste, cette relique que l'on croyait maudite. Mais ce coffret n'avait rien de la boîte de Pandore à laquelle on le comparait parfois. Sa nature était en réalité tout autre. C'était un écrin conçu dans le but de préserver l'amour de deux âmes sœurs à travers le temps. Le coffret qu'on prenait pour un objet funeste était en réalité porteur d'un beau message d'amour.